Il y a peu de cinéastes français qui arrivent encore aujourd'hui à défendre les couleurs du cinéma de genre au travers de sujets casse-gueule ou même parfois tout simplement hardcore. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui s'est inscrit dès le début de sa filmographie dans un cinéma controverse et même parfois très limite. Nicolas Boukrieff est un réalisateur d'origine française qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 24 ans. Cet auteur de cinéma s'est inscrit dès ses premières œuvres dans la même veine que des mecs comme Chapiron ou Siri, un cinéma de genre se moquant des a priori et cherchant à poser une patte à part sur la production audiovisuelle hexagonale dans une époque charnière. De par des choix de synopsis et de cinéma culotté en tant que réalisateur bien sûr, Boukrieff choisira de ne pas faire beaucoup de films, mais de traiter ces sujets comme des reliques sacrées de cinéma et de ne pas les bâcler comme pour démontrer une forme de réflexion derrière la simple envie d'être subversif. Car il est clair que lorsque l'on voit un film de Boukrieff, on ne voit pas simplement un film de genre violent ou même corrosif dans son geste cinématographique. Quand on voit un film de Boukrieff, on voit un film qui va droit au but et qui prend le spectateur littéralement aux tripes. Les sujets du metteur en scène sont rarement sobres, et c'est en cela que ces films se sont imposés parfois auprès du grand public, le cinéaste étant un amoureux de l'écriture de ses personnages, cherchant à bien poser ses situations, mais également cherchant à faire de ces situations des éléments de remise en cause cinématographique parfois brutaux pour le spectateur. Ces héros sont presque toujours d'ailleurs des anti-héros, des personnages antipathiques, incapables de se faire une place dans la société, et cherchant inlassablement à trouver un moyen d'échapper au monde qui les entoure, pour presque toujours chercher à lui faire du mal, comme une vengeance face à la vie et à cette condition qui les coince sur Terre. Boukrieff ne passe pas par quatre chemins pour faire de ses personnages des connards magnifiques, des hommes sans la moindre once d'honneur, enfin sur le papier. Car là, il est génial du cinéaste, jouer avec l'image cinématographique de ses héros pour les faire évoluer ensuite face à son objectif. Homme de code et d'honneur, cherchant à faire d'un groupe de personnages des héros bizarres et loufoques des temps modernes, le cinéaste français cherche alors au travers de ses œuvres à traduire une époque qu'il ne comprend pas au travers de personnages refusant de comprendre celle-ci. Il est d'ailleurs intéressant de voir que plus il avance dans sa filmographie, plus le cinéaste cherche à d'abord placer ses récits dans le temps et dans l'espace de manière précise, afin de donner encore plus de sens aux actions fantasmagoriques et brutales de ses personnages, qui ne sont plus alors régis par une envie d'aller à l'encontre de la société, mais par une société qui les pousse en dehors d'elle. Compositeur de marginaux sociétaux et en décalage total avec les canons du cinéma français, Boukrieff fait de son œuvre un terrain parfait pour être un grand controverse. Et c'est d'ailleurs ainsi qu'il semble aujourd'hui faire un retournement complet dans sa filmographie, après être allé peut-être un peu trop loin, mais pas forcément dans la direction que l'on pensait. En effet, auteur un peu trop ancré dans son époque depuis quelques années, le cinéaste a dû subir de plein fouet les affres d'une controverse, beaucoup trop fidèle à une réalité qu'il cherchait pourtant à promouvoir, comme difficile et naturelle, pourtant de montrer à l'écran, ce qui le poussera à devoir revoir à la baisse ses ambitions d'auteur provocateur. Ainsi, il semble aujourd'hui choisir de sortir de son époque pour parler avec une autre forme de controverse et de jubilation cinématographique de sujets qui le touchent et qui semblent pour lui tout aussi importants que son cinéma de genre natal qui finira forcément par lui manquer, le cinéaste ayant toujours cherché à être violent, mais pas dans le sens toujours provocateur du terme, heureusement. Plonger dans la filmographie de Nicolas Boukrieff, c'est chercher à voir dans le cinéma ce que celui-ci peut montrer de plus cru afin de faire réfléchir le spectateur sur son époque. Auteur posant avant tout des questions qui dérangent à un spectateur beaucoup trop lisse aujourd'hui, Boukrieff est un de ces cinéastes qui, en voulant trop coller à l'air du temps, a fini par en payer le dur prix de la réalité.